la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo accompagnée de Mimi. Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'offre des cadeaux pendant 4 heures. Ça va être incroyable les amis, aujourd'hui c'est la meilleure vidéo. Et on est en compagnie de... Oh non, pas lui, on le présente pas. Ouais, vas-y, vas-y. Non, je rigole. Vas-y, y'a Younes. Ah là, je suis bien. Aujourd'hui, y'a pas de prank, y'a que des cadeaux les gars. Par contre, je m'engage devant vous tous, musique épique, je vais faire des cadeaux incroyables à mon frère et à ma soeur. Parce que vous allez voir, je suis le boss des cadeaux, je suis le boss des tacos, je suis le boss de tout en vérité. Je commence la vidéo, je prends les choses en main. Yacine et Myriam, derrière ce rideau, il y a un cadeau plutôt incroyable. Oh, regardez mes pantoufles. C'est quoi ces pantoufles? Bref, il y a le meilleur cadeau de ta vie derrière, tu me parles de tes pantoufles. C'est quoi? C'est une télé? C'est mieux. Oh, qu'une... je sais c'est quoi. Oh, je sais c'est quoi. Tu nous as acheté une villa. T'inquiète, hein, c'est mieux qu'une villa. Younes, on peut ouvrir ou pas? Ok, 3, 2, 1. C'est quoi? C'est quoi? Ah, truc de fou. C'est quoi ça? Oh là là! Attends, moi je monte là. Ça a l'air d'être incroyable! Mais attends, mais comment ça marche? Je comprends pas! Comment on fait pour l'allumer, pour en faire? Ça a l'air d'être une moto de fou furieux! Je suis trop content! Moi je vais en faire! Je vous ai dit les gars que je suis le boss de la vidéo! Mais casse-toi! Attends, laisse-moi leur montrer ce que c'est, tu sais même pas ce que c'est! C'est un vélo cross électrique! On a un moteur, deux moteurs, une selle comme ça! Moi je vais aller. Mais attends, il y a un truc que je vais faire! Avec Yacine, je vais aller un peu plus loin dehors et je vais vous expliquer exactement comment ça marche parce que si vous savez pas en faire, vous allez tomber! Vas-y, c'est une bonne idée, allez-y! Moi j'ai pas envie de risquer ma vie avec ça, hein. pas de problème, allez-y. Les amis, la bête est là, je vais tout vous expliquer parce que c'est vraiment pas un vélo moto comme les autres. Ici déjà tout en dessous, je sais pas si vous voyez, on a la clé. La clé c'est comme les motos. Tu démarres, ça marche, tu démarres pas, ça marche pas. Donc là, on va mettre la petite clé en dessous. La clé elle est juste là et là il est démarré la famille. Alors vous voyez ici, là c'est pour asseoir un humain. Si je veux en faire avec Myriam ou Yacine, c'est parfait. La selle, elle est ultra confortable. Alors les suspensions, vous allez péter un plomb. On a deux suspensions. On en a une ici et ils sont hydrauliques. Regardez-moi ça. C'est quand tu vas en montagne, quand tu te fais courser. Je sais pas pourquoi tu te ferais courser, mais quand tu te fais courser, impossible que quelqu'un te rattrape. Les freins, la lumière, regardez la lumière, elle est trop trop puissante. Alors là, maintenant, la partie électrique, ici on a un tableau. Là, il fait jour, donc je sais pas si on va bien voir. Là, il a la lumière. Ici, on a la batterie, le kilométrage. Là, on a les modes. Regardez, on a quoi comme mode? Vous allez péter un câble. On a le mode éco, ensuite le mode normal, le mode sport et le mode final. Sport plus, c'est une dinguerie. On a les feux. Donc là, on est en plein jour, donc je sais pas si on va bien voir les feux. Là, les feux, ils sont allumés. Ouais. Faut bien les voir quand c'est la nuit, ils sont ultra puissants. Il peut supporter jusqu'à 180 kilos, donc je peux vous dire qu'on peut monter à deux et je peux manger encore plein de tacos. Je pourrais toujours en faire, les amis. Donc là, je vais laisser Yacine le tester. Dernière chose, Yacine, c'est comme ça qu'on accélère comme une moto. Vous voyez ici là, Yacine, fais pas le malin, s'il te plaît. Comme ça, on continue d'en faire. Fais pas des roues, fais pas des accidents bizarres. Fais-toi plaisir, mon frère. Vu que je fais les choses bien, t'es mis une GoPro sur la tête. Comme ça, les abonnés pourront tester avec toi. Ok, tu stresses pas trop, ça va. Franchement, les gars, je vous dis la vérité, ça a l'air d'être un truc grave puissant. Donc je suis un peu en stress. Mais on va voir si c'est vraiment stylé ou pas. Regardez, ça vient de l'enquête, les cils, la famille. De toute façon, je vous mettrai tout en description. Vous allez voir d'abord Yacine, il teste, et après, on voit si c'est une masterclass ou pas. Vas-y. Mon crayon. On va tester le vélo, la famille, donc directement, tac, on peut régler la selle juste ici, ça fait plaisir. Bah logique, dans tous les vélos, tu peux régler la selle. Toi, t'es pas grand, tu fais 1m combien, 1m45? 1m80. Ah ouais, il est grand quand même. Impeccable. En plus, ils nous ont dites-vous, dedans, ils ont fourni un petit cadenas, tu vois, pour ouais, bien le sécuriser. Tac, on monte, on enlève la béquille. On enlève la béquille. Moi, excusez-moi, Younes, mais j'ai directement envie de tester le mode sport plus. Ah ouais? J'ai envie de voir, ça va à combien? Vas-y. Est-ce que tu penses que tu peux dépasser les 50 km/h? 51 km/h. Non! C'est incroyable. Oh, le truc de la fou. Troisième vitesse d'une voiture. On va tester. Ok, donc c'est parti, on avance. Par contre, j'ai peur que. Wesh, va pas trop loin. Je vais essayer de faire la ligne droite et je reviens. Non, je rigole, fais-toi plaisir, va où tu veux, mon frère. Allez, c'est parti. Oh, ça accélère tout seul. Ok, on est parti. Ça va à combien, les amis? Regardez comment ça va. On va tester ça ensemble. Oh, ça va trop vite. Ok, là, je suis à 25. Avec l'accélérateur seulement, je suis à 25, les gars. Maintenant, on va faire le retour. On va voir si avec le retour, on peut dépasser 25 ou pas. Bon, là, on va passer les vitesses. Tac. Ok, là, on est jusqu'à on a la 7ème vitesse. Là, on va essayer d'aller à fond, les gars. Ok, on va revenir. On va aller à fond. C'est parti. Ok, ok. Est-ce qu'on peut dépasser 50 ou pas, les gars? Oh là 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 là. Mon gars, on a réussi à aller jusqu'à 30 km/h. C'est énorme. T'es sérieux? C'est quoi les sensations? Les sensations, elles sont incroyables. On est trop bien confortable. Quand il y a des petits trous, comme là, tu peux filmer, il y a des petits trous sur la route. Avec les amortisseurs, on sent rien. Genre, ça amortit trop bien. Et franchement, je valide à 100%. Est-ce que je t'ai respecté pour le cadeau? Tu m'as respecté de fou. Est-ce que vous allez me faire des vrais bons cadeaux, vous aussi? Ouais, t'inquiète, ça va être incroyable. Tu veux pas tester pour voir comment? S'il te plaît. Vas-y, tiens, je vais tester. Aïe, aïe, tu m'as donné trop envie. Par contre, j'ai envie de faire une expérience sociale. Je sais que chez vous, vous dites tous, Younes, essaye pour nous, je sais. J'ai entendu la voix dans ma tête. Je vais essayer de m'asseoir ici et de faire du vélo. Hein? Mais qu'est-ce que tu mets? Faut tester. Attends, déjà, je vais réfléchir avec ton cerveau. Mais ben, frère, ça peut être drôle. Genre, de là, attends, tu vas faire du vélo. Hey, c'est trop... hey, moi, je suis trop un enfant dans ma tête. Attends, je vais faire demi-tour. Il est trop fou. Oh là, je suis trop un enfant dans ma tête. Il est trop fou. Toujours, mais il y a une selle. J'ai une voix dans ma tête, elle me dit, regarde, c'est trop marrant, regardez les gars. Oh, en plus, j'ai remarqué un truc, ce qui est grave bien, regardez. C'est que comme dans une vraie moto, quand tu freines, regarde, attends, freine. Vous avez vu, derrière, ça s'allume. Regardez, ouais, derrière, le truc, il s'allume. Pour comme ça, s'il y a des voitures derrière, et ben en mode, ils savent que vous allez freiner. Est-ce que vous avez vu la taille des pneus? Regardez les pneus. Avec ça, tu peux pas crever. C'est incroyable, les amis. Moi, je vais faire un petit tour quand même. Allez, les gars, on y va. Hey, je vous promets, comment ça bombarde. Regardez-moi ça, oh, y a un chat là-bas qui est en train d'escalader. Salut le chat. Ça va vraiment trop vite les gars. Là je suis à une main donc je vais pas faire le fou. Regardez là, là j'accélère.
On est à 20 km/h sans pédaler. C'est plutôt incroyable. Donc faut faire attention de pas se ramasser les mecs. Salem, ça va mon pote? Il y a un abonné. Attends, on va voir l'abonné, on va voir l'abonné. On va aller le voir. Salem mon pote, ça va? Ouais. Tu penses quoi de mon nouveau vélo? Trop beau. Il est incroyable. Ouais. T'as vu, il accélère comme une moto. Ouais. Bon bah bonne journée. Et il a kiffé le vélo les gars. Alors on revient. Ah c'est une masterclass. T'en as pensé quoi du coup? Pour ma part les gars, c'est un grand 10 sur 10. J'ai une surprise pour vous. Il y a un code promo si vous voulez vous procurer le même vélo, je mets en description. Mettez le code code familia, vous aurez une réduction. Et ce vélo là, si vous voulez le prendre, je sais pas si vous travaillez bien à l'école, dites à vos parents. Comme ça, oh, on se retrouve tous avec ce vélo et on fait une méga promenade. J'ai oublié de vous dire qu'il se plie. Comme ça, tu peux le ranger dans la voiture et c'est très très facile à faire. Pour le replier normal, on a juste à faire hop. Voilà. Là on le replie, on remet le petit clapet. Parfait. Bon les gars, moi je vais faire un peu de vélo. Ah non, il est plus à moi, j'ai oublié. Elle sort de mon vélo, vas-y. Myriam, je sais comment quoi ça marche. Ah ouais, Younes, il m'a tout expliqué. Je vais pouvoir te faire un tour. Myriam, okay, est-ce que t'es prête? Par contre, ça va vite, je te préviens. Il y a le mode sport. Ouais. Oh, oh, oh. Tu tiens bien? Oui. Ok, c'est parti. Oh, il y a un gros problème. T'as cassé le vélo? Il nous a offert un cadeau de malade mental. Il a mis ouais, la barre c'est fort. Vrai, dès le début, il a commencé fort. Comment on va faire pour offrir des cadeaux de cette ampleur? En vrai, moi, j'avais pas prévu ça. Faut qu'on lui achète une villa. En fait, il faut que ce soit toi qui lui offre un cadeau de fou. Quoi? Ouais, bah ouais. Moi j'avais pas prévu ça, je suis désolé. Mais c'est toi, moi j'ai pas. C'est oh là là, comment on va faire les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouvre, tu vas découvrir. C'est mon cadeau. Ouais. Ah j'aime trop les gars, c'est le moment quand tu découvres tes cadeaux. Le paquet a l'air ah, bien mouillé. Gros. Ouais, c'est léger quand même. T'inquiète, alors, t'inquiète. Tu m'as pas acheté la nouvelle PS5 Pro. T'inquiète, t'inquiète. Là déjà c'est du carton, c'est rien. Ok. What? T'inquiète. C'est quoi? Céréales? Attends, boîte de céréales. Boîte de. Mais pourquoi Myriam, tu m'as offert des. Wesh. C'est une blague, mais Myriam, tu m'as acheté des paquets de céréales au chocolat. Moi, je t'offre un vélo motocross. Tu veux que je te dise la particularité de ces céréales? Non, mais je m'en fous, ça se fait pas ce que tu fais. Attends, il y a pas de l'argent dedans. Mais Myriam, pourquoi il y a 5 paquets de Kellogg's? Écoute, écoute, il y a des céréales protéinées, tu peux en manger en illimité. Mais je m'en fous. Pourquoi tu me donnes des mais Kellogg's? Mais t'aimes bien les trucs bizarres, toi, tu peux en manger en illimité. Comment ça? C'est quoi? Je comprends pas. Il y a quoi? En gros, c'est des céréales qui sont. Vas-y, Myriam, sérieux, vous m'énervez. Moi, je fais plus de 24 heures avec vous, c'est bon. Il y a pas de sucre dans les céréales, tu peux en manger en illimité. Des céréales, t'es sérieuse? Lui nous offre un vélo moto, toi tu lui offres des céréales. Mais c'est des on avait dit il faut offrir des cadeaux de fou. Sans sucre ou pas, c'est des céréales, Myriam, des céréales. Mais c'est bon. Oh là là, les amis, je suis dégoûté. Je sais pas comment on va faire, il va falloir qu'on se rattrape pour les prochains cadeaux. Bah moi je suis désolé mais des céréales c'est protéiné, Younes il aime bien normalement. Moment de rebondissement dans cette vidéo, je vais pas faire de cadeau ni à Myriam ni à Yacine. Je vais faire un cadeau à une personne, vous l'avez déjà vu je pense une ou deux fois. Et je le kiffe, il a un cœur en or, il a rendu énormément de services, ça se voit, il fait ça pour les jeunes. Vous allez voir, j'ai donné quelques indices, il est derrière moi, il arrive. J'ai le petit carton, il s'attend pas et en plus il va être gêné. Vous allez voir, c'est trop marrant. Il est là monsieur RJ. C'est comment mon ref? On va bien et toi? Alhamdoulillah, tout va bien. RJ, aujourd'hui, j'ai une petite nouvelle pour toi. Ouais, dis-moi. Tu vois ça là? Ouais. Je t'ai pas fait venir pour rien. Oh! Est-ce que tu peux ouvrir? Vas-y, je vais ouvrir, Est-ce je vais que ouvrir. Tu peux ouvrir? Oh! Qu'est-ce que c'est? Mon gars, j'étais obligé. C'est cadeau pour toi mon gars. Paire de crampons pour Hergy. Je sais qu'Hergy, les gars, ça fait une semaine que je lui dis achète-toi des crampons. Mais je savais que j'allais lui offrir des crampons. T'en penses quoi Hergy? Les gars, je sais pas quoi vous dire, vous faites tellement de choses sur moi là, j'avoue. Mon gars. La paire de crampons, je sais pas. T'aimes bien? Regardez, petit bleu, parce que ça va bien avec lui, tu vois, ça va lui donner du flow. Petite crampon pour le synthétique. Ça c'est la fantôme, taille 43, tu penses que ça va aller? Ouais. Vas-y, je vais te laisser mettre ça. Par contre, Hergy, on va faire un défi nous trois là. Il faut qu'il y ait un meilleur dans la vidéo. C'est bon? Vas-y mon gars, mets ça. Vous savez, on s'offre des cadeaux pendant 24 heures, mais vous aussi vous pouvez faire un cadeau. Hergy, il a ouvert sa chaîne YouTube La Famille. Elle va s'afficher juste ici. Allez lui faire un cadeau et allez tous vous abonner pour soutenir son projet. Ça va être incroyable. Tu fais quoi sur ta chaîne? Ah, bah sur ma chaîne, découverte de futurs cracks. Je recrute aussi pour le Family FC. Je vais voir les joueurs. Oh là là, ça veut dire en gros, il aide les jeunes pour devenir footballeur. La famille, tous ceux qui kiffent le foot, allez vous abonner, donnez-lui de la force, ça fait plaisir. Ça y est, on est bien chaud, RJ. Tout le monde a les crampons. Là, ça va se défier. Qui est le meilleur entre nous trois? Donc, je vous propose un défi de buteur. Un de touche. Et chacun va au goal les uns pour les autres, comme ça, il y a pas de semblant. Vas-y. Pierre Feuille Ciseaux qui commence. Pierre Feuille Ciseaux. Tu commences ou tu commences? Vas-y, tu commences. Oh là là, il va aller au goal. Bonne chance. Il y a plus d'amis hein, pendant deux minutes. Ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas, je connais ton point faible. Hein. Il connaît mon point faible, les gars. J'ai pas de point attends, faible. Il a le maillot de la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné la CAN. J'ai le maillot de l'Angleterre. On va voir qui est le plus fort. T'es prêt? Ouais. Je vais. Ah. Oh. Rien chercher du tout. C'est un malade but. Là, les gars, si je mets le deuxième but, c'est sûr, je suis pas dernier. Carré la passe. Il y a plus d'amis, on l'a dit. Il y a plus d'amis. Là, je vais la chercher. Tu vas rien chercher. Non. Oh. C'est pas grave. Réponse immédiate. Fais le malin. Tu vas Greta Lucas. Fais le malin. Vas-y, je te sens deuxième réponse immédiate. T'as plus de points. Réponse immédiate! Les gars, la Côte d'Ivoire, mais ils ont gagné la CAN, ils sont boostés, tu veux faire quoi? Hey. Nous les Ivoiriens, on est dû! Ça allait pas passer! L'open chose, c'est moi qui l'ai entré. Je compte tes frères. Maintenant, regardez les nouvelles groupes. Les Ivoiriens sont pas forts au penalty. Ah ouais? Vous êtes pas forts au penalty. Que de la chance. Je vais lui mettre une passe bien appuyée. Je vais lui mettre une passe grave appuyée. Tiens, contrôle ça maintenant. T'as deux touches, hein, pas plus! Au-dessus! Oh! Tu vises les pigeons!
La frappe. Extérieur. Jamais. Jamais. Ça lui fait que un but, c'est dire on est égalité. Ouais. Il m'a dit si je mets deux, je le venge pas, je venge personne, moi je représente moi-même. C'est-à-dire si je mets deux, j'ai gagné. Donc là, regardez mes crampons, je suis pas trop habitué parce que c'est des anciennes. Mais il n'y a pas d'excuse, on va essayer de gagner. Maillot de Manchester City contre la Côte d'Ivoire, qui gagne à ton avis? Les Ivoiriens bien sûr. Quoi? Manchester City, ils sont boostés hein. Je sais. Voilà les amis, j'ai juste à mettre deux buts. En vrai, faut que je mette le penalty, ça c'est sûr, comme ça au moins déjà je me rassure. Vamos! Je savais que Punaise allait lui dire où j'allais tirer, du coup j'ai changé de touche. Oh la passe, incroyable. Ok. Ah voilà. Le détouche c'est mon point fort. Maintenant la frappe. Oh si je mets 3 sur 3. Non, 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 je vais pas mettre 3 sur 3. Ça existe pas ça. Ok. Je vais la chercher. Je vais aller la chercher, ça existe pas. Oh non, j'ai dit ça existe flop, pas. J'ai flop, mais c'est pas grave, j'ai mis 2 sur 3, j'ai gagné. Let's go. 1 hour later. En vrai, on s'excuse. Je suis vraiment désolé de la part de moi et Myriam. C'est vrai que le cadeau qu'elle t'a fait, c'est vraiment pas un cadeau. Du coup, pour se repardonner, on a le droit de faire l'activité de ton choix. Tu sais qui choisit. Et du coup, voilà. Ok, mais pas vous m'offrir une cuillère en bois. Non, non, c'est fini, c'est fini. Ok, ouais, c'est pas grave, j'oublie tout. On va faire quoi pour une activité? J'ai une super idée. T'inquiète, c'est stylé. Gaine bien les abdos, gaine les abdos. J'ai pas d'abdos. T'as pas d'abdos? Non. Bah si, t'es obligé, t'es inhumaine. Ok, t'es prête? Fais comme ça, ça, c'est mieux, c'est mieux. J'ai peur. J'ai peur. C'est bon, les Kellogg's en vrai. Aïe. Aïe. Ah. Ah les gars, ça fait grave mal, j'ai pas d'abdos moi, maintenant à mon tour. Il y a un mec sur TikTok qui fait ça, c'est un coach, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Il met ses élèves comme ça, il leur met des coups de pneus. C'est bon, t'as habitué, je crois que c'est du. C'était pas à fond là? Non. Du là. Wesh. Tu contractes là? C'est bon. Faut bien retenir sa respiration. J'ai une deuxième activité pour Myriam. Mais j'ai l'impression que c'est une vengeance, pas une activité. Non. Tu vas devoir aller jusque là et accélérer le plus possible, okay. Sur place. T'es prête? Ouais. C'est parti. Accélère, 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 accélère. Eh les amis, vous savez que si là elle lâche la résistance, elle s'écrase sur les poids, donc il faut pas lâcher la résistance. Allez. Et tu réfléchiras à deux fois avant de faire des cadeaux de céréales. Je savais, c'est une vengeance. On passe au cadeau. Ici est le prochain cadeau de l'après-midi pour Myriam. Tiens Myriam. C'est quoi? C'est une boîte de bonbons? Je sais pas. C'est une boîte d'allumettes, ça peut être plein de choses. T'as voulu m'offrir des Kellogg's. Moi j'arrête avec les vélos, j'arrête avec les cadeaux de malade. Je redescends. On redescend un petit peu. Oh c'est sûr c'est pas un truc bien. Moi les gars je m'attends à avoir une boîte vide, hein, regardez, on n'entend rien. Ah ouais? Bah oui. T'es une boîte vide, tu l'aurais mérité, non? Pas trop, parce que quand même je t'ai offert de la boue. Je voulais te faire plaisir, c'est la seule intention qui compte. What? C'est quoi ça? On dirait une bombe. C'est une dingue, en plus elle est grave belle, elle a sorti à mon bracelet et à mon pull. Myriam, il t'a encore offert un cadeau de fou quand même, une montre, ouais. C'est pas mal hein. Mais quoi, tu lui as offert des céréales, je le répète. Mais parce que je savais pas, je croyais qu'il allait bien aimer moi. Il faut se rattraper les amis. J'ai un cadeau pour Younes juste ici, je pense que celui-là il va le kiffer. Ah c'est moi. Parce que là en plus il commence à faire froid, ça commence à être l'hiver. Du coup, il faut préparer des bons cadeaux pour l'hiver. C'est bon, vrai, là on va voir sa réaction. Tu dis que j'ai un cadeau pour toi. C'est pas, ouais, des céréales. C'est pas sûr, c'est pas des céréales. Non, non. Et là par contre, je jure par Dieu, si c'est un prank, j'arrête la vidéo. T'arrêtes la vidéo, ok. Tu préfères l'hiver ou l'été? L'hiver comme d'habitude. Bah tu vas aimer. Wesh. À ton avis, c'est quoi? Attends. Mais ouvre ça. Mais je regarde, il y a rien d'autre. Ok, c'est quoi? Ça, c'est un truc pour cacher ta aura. Cacher ma aura? Tu l'attendais depuis grave longtemps. Oh, c'est trop bien, les gars. C'est un short. Attends, je vais l'essayer. Pas ici. Ouais, désolé. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là, Younes? Va l'essayer et après, tu nous montres. Eh, les gars, il y a encore deux autres cadeaux épiques. Je vais ouvrir les autres à sa place. Parce qu'il est parti essayer. Oh, la masterclass. Waouh, c'est un petit survêt comme ça, Nike, pour l'hiver. C'est un banger avec le haut qui va avec. Incroyable. Fraise framboise, mon petit. Ah, il est grave stylé. Hey, Myriam, en vrai, les survêtements, ils sont incroyables, celui que t'as pris là. Dinguerie. C'est une blague, c'est trop serré. Ah. Tu rigoles. Je suis sûr, tellement son pantalon il est serré, il arrive pas à péter. Ah. Myriam, ça fait vraiment pas ce que vous faites. Pourquoi il est serré comme ça? Il est grave serré. Eh ben en vrai, je crois que Myriam, ça me va ça. Ça veut dire que moi, vu que je suis plus mec Younes, parce que lui il mange que des tacos et des pizzas, moi je peux le mettre. C'est quoi la taille que t'as pris? Je sais pas, t'as pris quelle taille, Myriam? C'est du L normalement. Mais en vrai, regarde, pour te rattraper, t'as ces survêtements là. Essaye ces survêtements là, peut-être qu'ils te vont pas aussi et moi ils vont m'aller. Vas-y, je vais essayer pour voir. Essaye. C'est vraiment chiant. Ah, je suis mort de rire, vous avez vu comment ça lui va serrer? Bah voilà, t'as un truc qui te va, alors t'es content? Mais pourquoi le short il est? Moi, c'est, je préférais le short parce que moi, en fait, je vous explique. Dans l'islam, on évite de montrer ses parties intimes. Il faut que les shorts ils nous arrivent là. Et du coup, le short c'est pas ma taille, Myriam. Ah, désolé, c'est la taille à Yacine, mais tu veux que je fasse quoi? Ah, au pire, c'est ce que tu peux faire. Tu donnes le short à Yacine et moi, je peux garder le survêtement. Bah oui, bien sûr, ça. C'est le minimum que tu puisses faire. Bah désolé, mais moi, depuis le début, j'ai eu aucun cadeau. Il y a que des cadeaux pour Myriam et Younes, ça se fait pas. C'est-à-dire, il me boycotte dans cette vidéo. Il me dit, il a pas eu de cadeau. Il a eu un vélo, c'est incroyable. Et il a eu en plus de ça. Ça compte pas, ça, c'est le cadeau de Younes. Et t'as eu un vélo? Essaye ça? Ouais. Et si, il me va pas, moi aussi. Pourquoi tu rigoles? Myriam, t'es relou, t'as pris trop serré. Même moi, il me va pas, il me va serrer, sérieux. En vrai, ça va un peu, essayer de jongler. Fais quelques gestes pour voir. Vas-y, on va essayer. On va voir s'il a perdu son niveau. J'ai pas perdu mon niveau. T'es sûr? Okay. Tiens, tour du monde. Voilà. Et là, regarde, je touche le truc jaune. Attention à la précision.
Voilà. Wow. Alors, qu'est-ce que tu disais? Non, ça se fait pas ce qu'on a fait. Franchement, ça se fait pas, les gars, ce qu'on a fait. On a fait une dinguerie. Il nous a offert un méga vélo. Il est incroyable, le vélo. Et nous, on lui a offert des céréales. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui préparer un méga repas. Sachez que hors vidéo, je ne prépare jamais les repas de Younes. C'est seulement pour la vidéo. Faut que je m'applique. J'hésite à reprendre un fast-food ou faire un repas moi-même. Mais fast-food, c'est pas la peine parce que lui, il veut percer dans le foot. Il veut avoir des abdos. Sa réserve de bouffe, elle est ici. Il mange toujours du poulet, des pommes de terre. Ça, il mange ça tout le temps. Moi, je vais lui faire un petit plaisir à la famille. Je vais rajouter de l'emmental dans les pommes de terre. Ça, c'est la base. Waouh, oh, c'est incroyable, les amis. Et là, on a une assiette bien équilibrée. Il va kiffer. On va mettre ça au micro-ondes à 1 minute 40. Et... Younes, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une surprise pour toi, mec. Quoi? Va t'asseoir. Une surprise qui va te faire plaisir. Il est quelle heure là? Il est actuellement 16h42. C'est l'heure du goûter, on c'est est d'accord. C'est l'heure du goûter, mon frère. Ok, je te ramène ça, bouge pas. Je t'ai préparé ton repas préféré. Oh, que je mange tout le temps. Comment tu savais que c'était l'heure du goûter? Parce que, frère, l'heure du goûter. Ah, mais t'as rajouté un truc. Moi, je mets pas ça d'habitude. Bah, c'est pour le petit plaisir, te faire plaisir. Oh, merci beaucoup. Là, j'aime bien. En plus, il m'a mis mes sauces préférées, sauces algériennes, parce que je suis un Algérien. On va en mettre ici, comme ça. Et je vous dis la vérité, les gars, tous les jours, je mange ça presque tous les midis et tous les goûters de la sauce mayonnaise. Ça, c'est la sauce à moi et Myriam. Il fait un combo. Et là, je vous promets, c'est un repas sain, diète et archi bon. Genre, c'est une dinguerie. Et les gens, ils croient que les pommes de terre, c'est pas équilibré, Yacine. Non, les pommes de terre, c'est équilibré. En plus, c'est incroyable, c'est une masterclass. Est-ce que je vous fais montrer comment je mange vraiment? Je leur fais montrer. Ils vont vas-y, montre. Je suis comme ça. Je prends une salade. Ça remplace le pain. Un morceau de viande. Ok. Comme ça. De l'emmental avec une pomme de terre. Oh lolo. Comme ça. Et je fais ça. Bismillah. Oh là, ça a l'air incroyable. C'est un bon moment là. Et bien sûr, il y a les légumes juste après pour la santé. Ouais, après là, les légumes comme ça, je les mange comme des frites. Elle est belle. Merci beaucoup. Là, ça, c'est un vrai cadeau. Ça. La famille, je suis sorti dehors pour offrir des cadeaux à des abonnés parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'offre des cadeaux pendant 24 heures à nous. Mais il faut aussi faire plaisir aux gens. C'est important. Et d'ailleurs, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit offrez-vous des cadeaux pour que vous puissiez vous aimer. Donc c'est important. On a pris un petit cadeau là, on va aller offrir un abonné. On vient de rencontrer un beau gosse là au stade. Comment tu t'appelles? Ilian. T'as quel âge? 12 ans. Tu fais du foot ou pas? Tu fais pas de foot? Non. Peux-nous montrer qu'est-ce que tu sais faire avec un ballon? On va voir s'il est chaud. Ok. Ok, donc c'est validé. Est-ce que tu sais faire des gestes ou pas? Tour du monde. Tu sais faire? Ouais. Vas-y, fais-nous un tour du monde. Oh là 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 là, il est chaud. Tu sais faire un autre geste? Ouh, la virgule. On voit qu'il est à l'aise techniquement. Maintenant, la question c'est, est-ce que t'es chaud? T'es chaud ou pas niveau connaissance football? Ouais. Si je te pose 3 questions, tu réponds aux 3 questions. Tu remportes ce cadeau, c'est bon? Ok. Première question. Quel numéro a Kylian Mbappé au Real Madrid? Le 9. Ok, ça c'est validé. Deuxième question. Cite-moi 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Hakimi. Ouais. Et Vitinha. Oh, il est chaud. Dernière question. On va essayer de monter un peu plus le niveau et on va voir s'il va être chaud ou pas. Qui a gagné la dernière Ligue des Champions? Real. Oh, il est chaud! Bien joué. Félicitations, tiens, je te remets ton cadeau. Merci. Tu peux l'ouvrir. Magnifique survêt de Manchester City. Regardez-moi ça, la famille. Magnifique survêt, il est incroyable. En plus, c'est tata, je crois. Hein. Non, franchement, il est propre. Félicitations, mon gars. Merci. Il est venu pour jouer au foot. Ça, il repart avec un cadeau, elle est belle. Je mettrai un petit 9. 9 sur 10, ça fait plaisir. Après la bonne action de Yacine Lekhey. Il faut commencer à régaler les gens de plus en plus. Myriam, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Je vais préparer un petit truc sur la table plutôt sympathique. Vas-y, ouvre tes yeux. Je sais que Myriam, elle kiffe trop les jeux de société. Ça, c'est un nouveau jeu. En mode, tu mets dans tes grosses dents, ta grosse bouche, et tu dois faire deviner des mots et des lettres. Tu mets ça là. Par contre, ceux qui ont les dents jaunes, n'achetez pas ce genre de jeu. Maintenant, regardez là, il y a des cartes. Tu vas tirer une carte au hasard. Vas-y, tire une carte. T'as une drôle de tête et tu as des andouillettes. T'as une drôle de tête et tu mets des balayettes. T'as une drôle de tête et j'aime les andouillettes. T'as une drôle de tête et j'aime les andouillettes. Oui. Sous. Par contre, ça fait grave baver, voilà ce que je vous disais. Comment on fait? Comme ça, tu le mets vers le bas, ça sort. Les chiens saucisses aiment les saucisses. Chiens saucisses aiment les saucisses. Oui. 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 Merci. Je reste avec ça, ça l'air. Le dernier cadeau de la vidéo, je vais essayer de me rattraper pour les céréales et là je vais t'offrir un cadeau plutôt incroyable. Moi, Smarley, j'ai eu aucun cadeau depuis le début de la vidéo de ta part. J'ai eu un cadeau que de la part de Younes et depuis plus rien pour Yacine. Est-ce que tu veux un cadeau banger? Ouais. Oh là 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 là, c'est lourd. C'est lourd. On va ouvrir ça tranquillement, c'est parti. Par contre, commence pas à déchirer comme un sauvage. Calme-toi. Ça. Mais c'est incroyable, il y a trop de trucs, Myriam. Ok, on va commencer par ça. Oh, t'as pas fait ça. Oh, il est incroyable, je valide. Par contre, j'espère que c'est ma taille. Oh, c'est un. Mais en plus, pour je vais pas être, je vais pas être content tout de suite parce que j'espère que c'est ma taille. J'espère que ça va pas me faire comme Younes tout à l'heure. Je vais aller l'essayer, on va voir ce que ça donne. Moi, attends, je vais ouvrir le noir et je vais vous le montrer. J'espère que ça va lui aller vraiment. J'espère que ça va lui aller. J'espère que t'as pas fait comme moi, Myriam. Sinon, c'est une dinguerie si c'est trop grand. T'inquiète. Oh là 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 là, il est incroyable. Au moins, là, il a tous ses habits pour l'hiver, les mecs. Elle lui a offert 2 survêtements. Il y a pas de marque, il est où le Adidas? Le Adidas, il est pas là. Mais pourquoi? Ah, il est là, mais il est en tout noir. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils l'ont
mis en tout noir. J'ai pas compris. Yacine, il y a un petit problème. Mais c'est trop grand. Mais c'est pas trop mais grand. Mais rien, mais... Tu prennes un peu de bide, c'est tout. Vu que je savais qu'en hiver, t'allais grossir. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont fait le Adidas en noir. Il y a pas d'Adidas. Si, il est là en noir. Regardez comme ça, vous le voyez bien. À la lumière, ça se voit. Mais en hiver, il va faire tout gris. Il va neiger et tout. On va pas le voir. C'est-à-dire, on va croire que c'est un gilet sans marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, la vidéo, elle était banger. On s'est offert des cadeaux pendant 24 heures. Toi, c'était quoi ton cadeau préféré? Le vélo. Le vélo, c'était une dinguerie. Je suis trop content. Je vais aller flinguer le vélo. Ça va être trop bien. Moi, en vrai de vrai, mon cadeau préféré, c'était le cadeau là, il y a 2 secondes. Il était incroyable. Eh, les gars, si vous aussi, vous voulez nous faire un cadeau, parce que vous aussi, vous participez dans 24 cadeaux, et bah vous, ce que vous pouvez nous offrir comme cadeau, c'est un like et bien évidemment un commentaire. Bah oui. Et abonne-toi ceux qui sont pas abonnés. Ça serait super cool. Comme ça, vous nous faites votre cadeau. Nous, on vous laisse là. Ciao.